Eh bien salut les amis, c'est Kamado, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour il me semble 11e épisode de Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch. Je parle très vite parce que j'ai hâte de continuer à jouer. Et oui, parce que mon dernier épisode que j'ai tourné c'était hier, donc je veux continuer maintenant. Donc les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et on y va. J'avance bien dans le jeu, je galère pas et tout, mais je sais... Quoi ? Cette balade à vélo m'a fait du bien, il ne me manque plus qu'un petit combat. Mais je sais les amis que j'ai oublié quelque chose à féliciter. Je sais pas si vous me l'avez dit dans les commentaires ou pas, parce que je prends énormément d'avance sur le tournage, donc j'ai pas encore lu les commentaires. Mais je sais que j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave. Je vais pas y retourner, premièrement parce que tant que j'ai pas vol, j'ai pas envie d'y retourner à pied ou en vélo, ça me saoule. Et deuxièmement, ah mes plantes c'est... Ça reçoit rien par l'électricité ici ? Ah je sais pas. Bref, mais deuxièmement... C'est pas très très utile non plus parce que même si on l'a pas récupéré, on le débloque automatiquement au niveau, après le badge de numéro 3, donc ça va. Oula, c'était un coup critique, c'est pour ça que ça lui a fait tant de dégâts. Hein. Sinon ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas très efficace. Ah mais c'était un coup critique aussi. Oh punaise. Bon, super rose bouton, allez, on change de Pokémon et on va mettre, alors surtout pas Mimi pour le coup. Bah écoutez, j'ai pas énormément de choses en fait qui sont fortes. Oh, j'ai toujours pas regardé sur une soluce comment on a Eoko. Je veux Eoko. J'espère que c'est bientôt. Je devrais peut-être aller voir dans les souterrains s'il y est. Ouais, mais de toute façon, il doit bien être sur la map quelque part. Donc, point boost, allez. Point boost. Il flan. Ah bah bien sûr. Ça n'a pas besoin d'être super efficace pour que Akram lui foute une raclée. Akram, il est trop fort. Rose bouton, est-ce que t'es mon ami? Bah toujours pas, j'imagine. D'ailleurs, c'est quand les concours? Parce que, bah, je sais pas, on a parlé et tout avant la sortie du jeu et tout. Et en fait, bah, je les ai toujours pas eu. Antipara... Rose bouton, oui, voyons. Est-ce que donner des potions aux Pokémon, ça renforce l'amitié? On peut même pas les caresser. On pouvait sur... sur l'autre, là. Ok, enfin sur épée et bouclier, je crois. Hé, hey, regarde la route! À moins que t'aies l'intention de me défier, mais il y a des trucs en bas! Comment on les récupère? Après on va passer à pied en bas. Cool. Ken, le cycliste. Bah Ken c'est le mari de Barbie. D'ailleurs il est quand même un peu plus stock que ça normalement Ken. Mais bon, bref. Oh non 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 non. Non rose bouton. Je t'aime bien. Mais non 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 non. C'est très mauvais. Vas-y, là ça va être un petit peu mieux quand même. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Parce que dans les commentaires, dans les premiers épisodes, il y avait des gens qui faisaient que de dire. Arrête d'utiliser tout le temps Akram. Et là ça fait quand même. Ouf. Ok. Ça fait quand même plusieurs épisodes que j'utilise pas trop Akram quand même. Enfin je l'utilise quand j'ai pas trop d'autres choix, mais sinon voilà, enfin je l'utilise pas tant que ça. Vas-y, charge, ça va servir à rien du tout. Ok, très bien. Vibre à quoi? Ça va pas le one shot je pense. Ouais ouais, parce qu'il est niveau combien? Enfin lui il est 17 et moi je suis niveau à 21 quand même. C'est juste que mon Sankoki il est nul en fait. Faut que mon Sankoki il évolue. Sans coquille, sans coquille. Mais pourquoi sans coquille? Il a une coquille pourtant. Bizarre. Je veux la même coupe que sans coquille. Mais alors, si je me fais la même coupe que sans coquille, c'est avec les mêmes couleurs, bien entendu. Sinon, ça n'a pas d'intérêt d'avoir des gros boudins comme ça dans les cheveux. Rose bouton augmente, Medikaka augmente. Medikaka, il évolue quand et comment? Je n'en sais rien. Ken le cycliste, t'étais nul! Bouh! Il a pédalé dans la smoule. Et bah oui, parce qu'il est à vélo. Mais sauf que c'est pas de la smoule le sol, voyons. Oh. Toi et moi, on fait du vélo. Toi et moi, on a des Pokémon. Je ne te laisserai gagner ni la course, ni le combat. Allez, allez, cause toujours. Tu m'intéresses pas. Lydia, la cycliste. Ok, ok. Par contre, ils sont beaux leurs vélos. Moi, j'aime pas faire de vélo. J'ai peur des vélos. En vrai, j'ai peur en vélo. Pour de vrai. Je pourrais envoyer Lixi, mais. Ah, ouais, c'est vraiment pas très efficace. Ouais, donc on va peut-être envoyer quand même. Mimi, allez, 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 au moins ce sera plus rapide. J'aurais peut-être pu le battre quand même avec Rose Bouton, mais ça aurait été peut-être long. Quoique, plante n'est donc pas très efficace contre vol. Mais vol, c'est très efficace contre plante ou juste normal? De toute façon, je vous pose plein de questions comme ça et... Bah, en fait, vous me répondez souvent en commentaire, donc c'est très gentil. Sauf que moi, bah, j'oublie en fait. Genre, je lis, mais j'oublie. D'ailleurs, évitez de d'écrire par exemple, genre... Imaginons que c'était à 4 minutes 30 que j'ai dit ça, je sais pas. Si c'était à 4 minutes 30 de vidéo par exemple, évitez de dire dans les commentaires 4 minutes 30, 2 points, oui. Parce que moi je veux bien avoir la réponse à ma question, mais ça serait peut-être bien de me redire en fait quelle était la question. Je peux pas relire, enfin je peux pas revoir
toute la vidéo à chaque fois pour voir quelle était ma question. Allez, 5 coquilles, vas-y. Vibra quoi ? Ponyta ! Ponyta qui évolue en Epona. Non, je sais plus en quoi ça évolue. Oh, il s'était moqué de moi à l'époque. Genre, c'était Rat qui s'était moqué de moi parce que j'avais dit que c'était Ponyta qui évolue en Epona. J'avais vraiment dit ça premier degré parce que je croyais que c'était ça. Et en fait, bah non. Non, c'est pas Epona. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas Epona. Il ou elle, d'ailleurs. Mais en vrai, on peut l'appeler Epona, si on veut. Genre, on peut le surnommer Epona. Mais c'est pas son nom officiel. Oh, mince, je suis tombé de mon vélo. 780 Poké-Dollars. Merci. Bon, c'est fini, là, où il y en a encore des cyclistes? Il y en a encore. Bon, allez, vas-y. Moi, j'XP, hein. Ta bicyclette, c'est bien le modèle avec plusieurs vitesses? Montre-moi si tu sais bien t'en servir. Après, en fait, j'ai envie de combattre tous les dresseurs qu'il y a sur la map, mais en fait, je me rends compte que ça rend le jeu plus facile. Parce que finalement, quand j'arrive au dresseur d'arène, genre le dresseur d'arène précédent, j'avais pourtant pas fait de l'expérience de ouf, et j'ai pas capturé beaucoup de Pokémon sauvages, et malgré tout, bah j'étais genre 3 ou 4 niveaux de plus que lui. C'est un peu dommage en fait. Parce que je serais frustré si j'évitais les dresseurs. Vraiment, ça me frustrerait de ouf. Mais de l'autre côté, les combattre, en fait, ça me frustre quand j'arrive au dresseur. Après, peut-être que pour le moment c'est facile parce que c'est au début du jeu. Mais après, ça sera moins. Vous m'avez dit que la ligue Pokémon à la fin, elle est très difficile. Donc on verra bien. Ça se trouve, je vais perdre. Allez, un étourvol. Bah écoute, on va garder notre Lixi. Enfin, c'est Luxray maintenant, Luxray. Oh non, ça baisse mon attaque. Je m'en fous. Je m'en fous, je vais te battre quand même. Vas-y, étincelle. Et Vlan, il va peut-être survivre. Ah non, même pas. Dans niveau 15. Voilà, bye bye. C'était pas une très bonne idée d'avoir deux Pokémon du même type, en fait. On apprend pourtant à ne pas avoir des Pokémon du même type dans notre équipe. C'est le B.A.B.A. des dresseurs. Genre, vous me le dites tout le temps. Enfin, vous me le disiez dans les commentaires à l'époque quand j'avais des doublons. Oh bah non. Oh, mais il y en a beaucoup trop, en fait. Quoi? Il m'avait pas vu. J'étais littéralement devant ses yeux et il m'avait pas vu. Bah écoutez, d'accord. Bon, bah, par contre, il y a vraiment beaucoup de combats, hein. J'ai hâte qu'on arrive à la ville. Nosferapti! Il est petit! Bah oui, normal. Et après, c'est quoi Nosfera? Nostanfer? Nostanfer, c'est peut-être pas tout de suite. Je sais pas ce que c'est en vrai. Ouais, bah toujours Mimi, hein. Désolé, mais là, j'ai pas beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'il y a qui est efficace contre poison? J'oublie tout le temps! J'oublie tout le temps quel type est efficace contre poison, ça m'énerve. Crochet, venin! Non, m'empoisonne pas. Ok, c'est bon. Non, 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 non! Bah, c'est pas si mauvais, mais ça suffira pas. Eh bah voilà, j'avais raison. Oh, en plus, il utilise Volvi après, super. Trop nul. Bon, allez, allez, mon énergie est drainée. Vas-y, on peut le réutiliser, de toute façon, il a plus beaucoup de vie. Mais ouais, bon. Pour le prochain Pokémon, s'il en a un, il en a un, je crois. Faut pas qu'on utilise encore ça. Ok, Medikaka, niveau 15. Il veut apprendre Ruse. Quoi, ça augmente quel stat, ce truc? Annule l'effet... Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise une capacité comme détection ou abri. Annule l'effet de ses capacités. Ouais. Même ténacité, je vois pas trop à quoi ça sert, en fait. Le lanceur se protège de toutes les attaques. Vas-y, on va retirer ténacité. Pourquoi il avait perdu de la ténacité? Ah, mais parce qu'il l'a utilisé quand je le combattais, c'est vrai. Et je l'ai pas soigné depuis. Voilà, voilà, voilà. Bye bye, Humbert le cycliste. 816 Poké-Dollars, merci, merci. Bon, bon, allez, allez, et maintenant il y a elle. Mais c'est pas fini, il y en a encore une après. Oh là là, la moitié de la vidéo, ça va être les combats de dresseurs. En même temps, c'est Pokémon. Ce n'est pas grave d'avoir des combats de dresseurs dans une vidéo. Enfin, j'espère quand même. Delphine, elle envoie quoi? Un Lixi. Et je suis plante. Donc c'est parce que... Oh, il est trop mimi. Ça me rappelle quand mon Luxray, il était bébé. C'est il y a longtemps. Mais bon. Vas-y, alors... Oh non! Trop nul. Mais moi, il a pas ce talent-là, Lixi, ça me saoule. C'est un peu efficace, mais c'est pas très efficace quand même. Vas-y, Volvi, ça vole combien? Eh bien, ça vole pas grand-chose. Bon, au moins, je me remets à 100% de mes PV, mais pas pour longtemps, parce qu'il va m'attaquer. Éclair. Et c'est vraiment pas très efficace, pour le coup. Une herbe. Vas-y, il est pas très lourd, pourtant, c'est un bébé. Ouais, bon, c'est vraiment pas très très efficace. Mais je peux le finir avec Rose Bouton. Ok.
Oh non, bah je ne peux pas le finir avec Rose Bouton. Vas-y, équipe. Et on va envoyer... Ah, mais non, 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 il est haut, je vais pas l'envoyer. Bah, je vais envoyer Akram, pour le coup. Mais ouais, j'allais pas l'envoyer, quand même. Il allait se faire défoncer au prochain coup. Enfin, peut-être qu'il allait utiliser charge. Là, il... mais bon, même, c'est trop risqué. Ah ouais, il utilisait morsure. Mais bon, trop risqué. Ce n'est pas très efficace. Vas-y, Mach Punch. Ça va probablement le terminer. Bim! Voilà, et elle a quoi d'autre comme... Ouh, coup critique. Bah ouais, mais coup critique, il lui restait aucun PV. Et j'avais 6 niveaux de plus, au moins. Je sais pas combien il est de niveau... Ah bah non, 10 niveaux de plus. Un Lixie encore? On va pas changer. Vas-y, Lixie! Avec les pattes, genre, écartées et tout, quand il apparaît, il est trop mimi, Lixie. L'attaque d'Akram baisse, on s'en fout. Mach Punch! Et... Vlan! Ah, ça l'a pas tué? I'm shocked. C'est comme ça qu'on dit en anglais, avec l'accent kirbendien. L'accent ici de cette chaîne, YouTube. Vas-y, Lixie est décédé! Ah non, il est que KO, malheureusement. Vas-y. Merci Delphine la cycliste, donne-moi mon argent, merci. Et donc, je vais encore le soigner, Rose Bouton? Ouais, ouais, je sais pas si ça augmente l'amitié, mais Valou m'a dit peut-être. Valou, il le fait tout le temps parce qu'il a dit peut-être. Mais en gros, il n'en sait rien. View! J'adore ma bicyclette, mais je ne sais même pas comment réparer un pneu crevé! Moi non plus. Mais j'adore pas ma bicyclette, vu que je n'en ai pas. Babette, la cycliste. Mais Babette, c'est pas un prénom, ça non plus. Babette, ça peut être un surnom, peut-être, mais c'est pas un prénom. Oh! Pikachu! Vas-y, Rose Bouton, j'ai confiance en toi! Ouais, vite fait, hein, vite fait. Contre un Pikachu, je ne sais pas où, niveau 17? Ah ouais! Vas-y, Volvi! Oula, mais oui, c'est vrai que c'est super rapide, Pikachu! Super rapide, mais quoi? Oh! Je l'ai empoisonné, nickel! Vas-y, Volvi! Bon, ça va être un petit peu long de le tuer, mais on va y arriver, non? vas-y. Et en plus, il est empoisonné. Juste, attendez. Neherbe, on est d'accord que ça fait rien, Pikachu, c'est super léger comme Pokémon, non? Oh ouais, c'est un peu fort, mais pas vraiment, en fait. Neherbe! Ok. Bah, au prochain tour, il est mort, je pense, parce que là, il perd de la vie avec poison. En fait, il est pas si léger, Pikachu, finalement. Parce qu'il reçoit quelques dégâts. En fait, non, il en reçoit pas tant que ça. C'est vrai que sa barre, elle avait l'air d'être beaucoup baissée. Mais en fait, Pikachu n'a pas beaucoup de PV, de base. Donc voilà, voilà, très bien, statique. Non ! Rose Bouton ! Bon, il a du mal à attaquer alors que le combat est littéralement terminé. C'est un peu bête, en fait. Et il passe niveau 22. Est-ce que t'es mon ami, Rose Bouton, maintenant ? Parce que bon, niveau 22, je vais avoir un Rose Bouton, il va arriver niveau 99 et il n'aura toujours pas évolué. Waouh. Bah, en tout cas, on a la réponse, il n'est toujours pas mon ami. Que se passe-t-il ici? Apprenez, on sait. Elle est chouette ta bicyclette, tu mérites des sauts? Merci. Est-ce que les sauts qu'elle me donne dépendent de la couleur de la bicyclette que j'ai prise? Ce serait marrant. Oh, 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 allez, des petites baies. On quitte comment la bicyclette? Comme ça, vas-y. 2 baies Frambi, bah ouais. Très bien, et d'ailleurs je vais en remettre. Et voilà, en plus c'était les premières baies Frambi que j'avais. Trop cool, ah c'est comme ça qu'on y va? Ouais mais on va pas refaire plein de combats de dresseurs et tout, genre... Quand est-ce qu'on arrive à la ville? C'est quoi ça? Oh! Salut Aurore! Salut Kirmendo, ça avance ton Pokédex? Moi? Eh bien ce n'est pas génial, mais ce n'est pas catastrophique non plus. Mais on n'est pas là pour parler de moi, j'ai un petit truc pour toi, choisis une main. Droite. Bravo, tu as gagné un cherche combat. C'est quoi? Je savais que tu ferais le bon choix Kirmendo. Vous obtenez le cherche combat. Et il y avait quoi dans l'autre main? D'accord. Ce cherche combat t'indiquera quel dresseur veut à nouveau se battre. Au fait, tu as une Pokémontre? Ah parfait, dans ce cas je te donne aussi cette application, tu l'as bien mérité. Ah, elle m'aurait donné les deux quoi. L'application Radar à objets? Cool, vous avez installé une nouvelle application sur votre Pokémontre. Ça détecte les objets cachés. Je te conseille vivement d'utiliser le Radar à objets, c'est bien pratique. Touche l'écran et tu sauras s'il y a un objet invisible dans les environs. C'est fou tout ce qu'on trouve dans les grottes sombres avec cette application. Enfin bref, je crois qu'il est temps de retourner à nos Pokédex. Le professeur Sorbier compte sur nous. Ouais, mais tu vas dans le mauvais chemin! C'est pas par là qu'il faut aller, Maros. Oh! Mais c'est la caverne d'Ali Baba, des baies. J'ai gagné des baies Rému et des baies Flambi. Frambi. Mais j'en ai gardé aucune, je les ai toutes replantées. Comme ça, j'en aurai plein. Qu'est-ce qu'il y a? Oula! Conseil du dresseur, les Pokémon endormis ou paralysés ne peuvent plus agir librement. D'accord, tais-toi. Mais attendez, c'est... Eh mais... Je suis revenu là? Charbourg, ah ouais, mais c'est pas Félicité. Attendez, c'est où au niveau de la map?
Félicité, c'est là. En vrai, on peut y aller, hein. C'est pas très loin. Surtout qu'en plus, on trouvera peut-être des trucs sur la route. Ok. Oh non, c'est après une grotte. Ouais, mais elle est toute minuscule, cette grotte, il me semble. Et en plus, on peut aller en vélo dans les grottes. Pourquoi c'était si long? Waouh. J'avais vu que c'était si loin. Bon, nous y voilà. Alors déjà, plusieurs choses. Il faut que je me soigne. Je suis passionné depuis longtemps. Et il faut aller au bâtiment de la Félie Télé, on m'a dit. Mais je sais pas où c'est. Vas-y, allez, soigne les Pokémon. Ouais, ils en ont bien besoin, là. Oh, je vois que tout en haut, sur la map, il y a une zone de neige. Ok, j'avais pas vraiment fait attention. La map, au début, j'ai vu qu'elle était tellement grande et qu'elle avait l'air tellement fournie que j'ai pas fait attention à chacun des détails. Et j'ai hâte de tout découvrir. Alors, c'est où la Félie Télé? La ville de la joie. D'accord. Mais les gens, ils ont pas l'air plus heureux ici qu'ailleurs. C'est ça, la Félie Télé? Non, c'est l'école des dresseurs. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux toujours pas utiliser la station MEM et pourquoi elle veut pas me laisser passer? Non, mais ça m'énerve! Attendez, mais c'est bien ici, je me suis pas trompé. Ça, c'est les résidences. Ah, c'est là, non? La Félie Télé! D'accord. Donc, normalement, il y a un truc ici. Ah, mais on dirait qu'il y a des concours ici. Mais je les ai jamais fait. Alors, salut. Bienvenue à la loterie Pokémon. Non, je m'en moque. Bon, allez, tirons un billet de loterie. Juste un. Quoi? Que j'ai pas suivi ce qui se passait. Quel dommage, aucun des chiffres ne correspond. Et donc? Ah, d'accord, ok. Très bien. Vas-y, coin karaoké, on s'en moque. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Je trouvais un dresseur charismatique, quel scoop, t'es prêt à crever l'écran? Oui. Le caméraman professionnel que je suis toujours trouve le... Que je suis trouve toujours le meilleur angle. What? Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon, Joe, le caméraman, il va avoir quoi comme Pokémon? Un Pachirisu, quel rapport avec la caméra? Je pense qu'on ne le saura jamais. Mais il doit pas avoir un très haut niveau. Parce que c'était il y a longtemps quand même qu'on aurait pu aller ici. Niveau 17 quand même, ah ouais? Ne herbe. Ok. Ouais, bon, je pense que j'ai changé de Pokémon parce que là... Enfin, je pense que je pourrais le battre, hein. Mais bon, oh, il est empoisonné. Bon, bah s'il est empoisonné, on a qu'à garder Rose Bouton, hein. Plus on le garde longtemps dans le combat et plus il nous aime ou pas? Ça, je sais même pas. Vas-y, Volvi. Allez! Ouais, mais ça va être long. Et je regarde même pas tous mes PV. Son énergie est drainée. Ah non, charme, qu'est-ce que ça fait? Ça baisse mon attaque? On s'en moque. Ça fait deux combats de bébé. Ah bah, Chirisu, c'est pas techniquement un Pokémon bébé. Mais en vrai, il en a l'air pas si loin. Allez, Volvi! Comme ça, je reprends toutes mes vies. Oh, bébou! Ah non, je suis qu'à 55! Étincelle, vas-y. Juste me paralyse pas, quoi. Je sais pas si étincelle, ça peut paralyser. Et bah, je crois qu'on a la réponse à notre question. Voilà, super. Bon, bah, je pense que je vais devoir changer de Pokémon, encore une fois. Qu'est-ce qu'on met? En vrai, on s'en fout. On peut mettre Medigaga, de toute façon, on s'en fout, il va mourir du poison. Donc, faut juste que Medigaga ne meure pas. Ce serait un peu bête. Vas-y. Fiu. Sa Pokéball, elle est stylée. Charme! D'accord. Bon, on s'en moque un petit peu. Vas-y, perds tes PV. Qu'est-ce que je vais faire comme attaque? En plus, j'ai jamais joué avec lui. Vas-y, choc mental! J'aurais pu me protéger, en vrai. Mais bon, je sais pas s'il va attaquer, ça attaque avant abri. Je sais pas qui a la... C'est une blague, ça n'a fait que ça. Heureusement qu'il y a le poison, parce que bon... En même temps, j'avais moins de niveau et j'ai une attaque qui est pas particulièrement efficace, donc bon. Yes! Et voilà! Très bien, très bien. Et donc? Oui, mais ça, c'est cool. Ma caméra est trop lourde, elle m'a gêné pendant le combat! Non, mais c'est pas toi qui t'es battu, c'était ton Pokémon. Donc ça n'aurait dû rien changer. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas lui? D'accord, ok, bye. Et c'est pas elle? Vas-y, bye. Ok, très bien. Non, non, non! Et là? Est-ce que tu colles des sauts? Oui, je colle des sauts. Oui, je... Oh, attendez, quoi? On peut faire un truc au premier étage, what? Ok, merci. Oh, 3 sauts feu! Wow! Merci, mais c'est très utile de parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Quels accessoires iraient bien avec ma robe aujourd'hui? J'hésite. D'accord, c'était très inutile. Bah, on continue de monter. En fait, il n'y a pas grand-chose ici. C'est quoi, ça? C'est une fenêtre.
D'accord. Oh, salut! Les classements de groupe se trouvent dans la salle à côté des escaliers. Mais d'accord, mais en fait. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Salut, comment ça va? Je suis producteur de télé, voilà. Accepterais-tu de participer à un petit sondage? Oui, ça me prendra pas longtemps. Quelle émission aimes-tu regarder? Les yeux dans les œufs. Tu dois bien. Vas-y, vas-y. Oh, merci pour les sauts! Des sauts feu, dés. Mais attendez, mais ils sont très généreux, les gens, dans Pokémon. Je viens de comprendre un truc incroyable. Si on échange plein de Pokémon, on a plus de chances de gagner à la loterie Pokémon. Ah ouais? Et pourquoi? C'est cool, ça. Ok, très bien. Mais par contre. Ok. Une chaîne de télé où tout le monde peut participer, c'est notre devise. Oui, mais. Vous avez vu, c'est le patron? Tes exploits sont incroyables! Grâce à notre chaîne de télé, on va parler de toi au monde entier! Enfin, peut-être, disons que c'est possible, éventuellement. What? Mais il est où le truc? Apparemment, faut juste parler à ce monsieur et lui répondre des trucs différents parce qu'il me donne des trucs différents à chaque fois. Donc vas-y, tous heureux. Ah bah non, ok, tu dois vraiment être un expert! Tu es dresseur, pas vrai? Dans ce cas, je vais te pistonner pour que tu puisses recevoir des cadeaux mystères! Yes! Et les amis, on a débloqué les cadeaux mystères! Et donc, on va récupérer un cadeau mystère, normalement. Je sais pas pendant combien de temps il est disponible. Mais je crois que normalement tous les joueurs de Pokémon peuvent l'avoir pour l'instant. Oui. Et voilà. Yeah! Trop stylé! Eh mais c'est trop beau! Ok, il est bizarre quand même. Bon bah voilà, merci, merci pour le cadeau. Et d'ailleurs il y a un autre cadeau, je veux l'autre cadeau. Pourquoi ça passait pas là? C'est trop long. Vous avez reçu un œuf de Manaphy, je me demande ce qu'il y a dedans. Bah je sais pas, on aura les réponses une fois qu'il aura éclos. C'est évident. Et bim. Et donc là on a une nouvelle tenue, mais comment on les porte les tenues? Alors, il va peut-être nous le dire. C'est super long. Pourquoi c'est super long? Genre, vous avez reçu look platine. D'accord, et donc? Oui mais ok, très bien. Mais donc, je ne sais toujours pas comment on se change. C'est bizarre. En fait, j'ai dû louper de parler à quelqu'un qui nous permettait de faire ça, en fait. Sac. Genre, les vêtements, ils sont pas ici, non? Ça, non, c'est les CT. Cherche combat. Je peux l'assigner un bouton? Ouais, ok. Vas-y. Mais, ouais. C'est un peu chaud, en fait. Enfin, attendez, par contre, l'œuf de Manaphy, les œufs, faut les mettre dans notre équipe, c'est ça? C'est comme ça que ça marche, non? Ah, mince, donc faut que j'aille peut-être dans la boîte. Ouais. Je vais mettre à la place de Medikaka, hein. Après, on n'aura plus de psy. Ouais, allez, à la place de Medikaka, on le remettra plus tard. Ok, ok, bon. Très bien, et donc c'est en marchant, on fait des pas. Et après, l'œuf, il évolue... Enfin, il éclot à un moment, c'est comme ça que ça fonctionne, les œufs. Je sais pas trop, en vrai. Vas-y. Mais j'ai pas de groupe d'amis, mais j'ai pas d'amis dans la vie. Et mais ça... Ça, c'est... C'est triste, mais bon. C'est comme ça. Bon, les amis, on va pas... finir tout de suite cette vidéo, je sais qu'il faut que je continue par là, enfin je pense, mais je me dis quand même que pour terminer on va aller faire les dresseurs qu'il y a là-bas et récupérer les objets, tout de même puis comme ça après on partira à la suite, alors parce qu'il n'y avait pas énormément de trucs non plus, hein. Genre oui bon du miel mais non, ça je vais encore oublier, wesh quoi, on peut pas récupérer ça quand on est. Ok, quand on est sur un vélo, on peut pas. Un super repousse, mais je m'en sers jamais de mes repousses. Ce qui n'est pas très malin, en fait. Je peux pas me plaindre de tomber sur des Pokémon sauvages si je ne m'en sers jamais. Ouh, des baies ou quoi? J'ai jamais eu ces baies-là, c'est quoi ça? Des baies fraîves? Ok, d'accord. Bon, on va replanter. Baies fraîves, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui a mal dit fraise, en fait. Ça pourrait être moi. Bon, ok, une bonne chose de faite. Faut pas que je les oublie. Ce qui va clairement être le cas. Oh, oh, un dresseur ici. Ah, un anti-brûle. Très bien, j'ai jamais été brûlé pour l'instant. Tant mieux, mais bon, à un moment, il va y avoir un dresseur d'arène de feu, c'est sûr. Comme ça, je vais être obligé de faire le tour, super. Ah, tu m'as fait peur! Bon bah, maintenant que tu es là, autant s'affronter! Pas la peine de crier, je suis juste devant toi. C'est moi qui ai crié. Timoé, le montagnard, veut se battre. Timoé. Timéo. Pas Timoé, je me disais, Timoé, c'est pas un prénom. Timéo, ça marche mieux. Alors là, avec gros bouton, on va en faire qu'une bouchée. Haha. Ne herbe. Une herbe, c'est grave efficace en vrai. C'est super balèze comme, comme attaque. Il a fermeté, ce chien. Et ben voilà, il a fermeté. Ce serpent plutôt, c'est pas un chien, c'est un serpent. Et ben voilà, je vais être pris dans l'étreinte. Comme ça, je vais perdre des vies à chaque tour. Merci, Onyx. Je te déteste. Vas-y, envol vie. Je vais gagner un PV.
Au moins je vais le tuer, mais bon. Alors qu'est-ce qu'il va envoyer comme Pokémon après? Vas-y, super efficace, on est content. Un PV. Merci. Ok, bye. Et donc maintenant, on a quoi? Un Onix encore? Bah non, j'espère qu'il a pas fermeté pitié. Après, c'est pas une catastrophe, hein. Je gagnerai dans tous les cas. Mais juste que c'est long. Enfin, c'est plus long. Ah, c'est beau, il avait pas fermeté. Nickel, quel talent il avait alors? Eh bien, je crois qu'on ne le saura jamais, les amis. Ok, super, on a battu Timoé, comme je dis Timoé. Timéo. Et voilà, monsieur va m'obliger à faire le tour. Super, bah je m'en doutais. Je m'en doutais, on a quoi? Oh! Ah ouais, je l'ai pas. Les amis. J'aurais bien essayé de lancer une Rapid Ball, mais je pense que mon rose bouton va se faire défoncer. Donc non. Je risque de le tuer comme ça. Vas-y. Ouais. J'aurais bien voulu renvoyer une Rapid Ball, mais s'il n'était pas rentré dedans, il aurait défoncé mon rose bouton. Donc on évite en fait. On évite. Mimiqueux. Ah bah. Sauf s'il fait Mimiqueux. Au deuxième tour, la Rapid Ball, c'est toujours puissant ou pas? Oh non, allez, on va le faire à la Pokéball, normal. 60 points de dégâts. Vas-y. J'espère que je le tue pas. Il fait quoi? Il baisse mon attaque? Si c'est ça, c'est pas mal. Vas-y. Comme ça, je le tuerai pas. Allez. Ah, mais je le tue carrément pas, en fait. Et de très loin, en fait. Vas-y. Nitro charge. Oula, ça a l'air de faire très mal. Effectivement. Et il gagne de l'attaque. Hein, de la vitesse. Aïe. Mince. Il est pas encore dans le rouge. Oula. Je me fais défoncer par ce Ponyta, c'est ouf. Mais il te recharge, c'est pas mal comme attaque. Alors, je pense que pour l'instant, on va envoyer Akram, mais on va pas attaquer. C'est juste pour temporiser. On va envoyer des Pokéballs. D'ailleurs, plutôt une Super Ball, je pense. Oh. Vas-y. Ok, aïe. Ouais, son attaque a baissé, on sait. Donc... Ouais, allez. Une super... Ah, j'en ai qu'une. Bon. Je sais pas s'il va rester dedans, en fait. Là, je pense qu'il est un peu plus compliqué, lui. Yes! C'est bon! En vrai, j'aimerais bien un jour avoir un Ponyta dans ma team. Parce que je crois que c'est un Pokémon fort, surtout quand il évolue. Mais là, je peux pas. Enfin, genre, je vais pas le mettre à la place d'Akram. Je pense qu'Akram est dans tous les cas plus fort. Enfin. Voilà. Et bah non, je vais pas l'appeler Epona. Puisque de toute façon, je le mettrai pas dans mon équipe. Mais j'aurais pu. J'aurais pu. Ce qui n'est probablement pas très original. Hein. Je pense qu'il y a plein de fans de Pokémon qui ont appelé leur Epona. Non. Leur Ponyta Epona. Un pic venin. Ça fait quoi ça? Encore. Bon, Sankoki, vas-y. Rose bouton, bah j'ai... Oui, d'habitude j'ai confiance en toi, mais pas contre lui. Donc, Sankoki... On peut envoyer l'œuf en combat? Non, je crois pas quand même. Vas-y. Et avec Vibraquois, j'espère que tu vas n'en faire qu'une bouchée. Surtout que t'as beaucoup de niveaux d'avance. Oh non. Oui, mais oui, mais oui. Mais contre lui, c'est vraiment pas très efficace. Allez, Ponyta sauvage, sa vitesse augmente, super, vas-y. Mimiqueux, oh non. Je l'aurais peut-être pas tué en un tour. Allez, Vibraquois. Ah ouais, non. Tant pis, tant pis. Ça marche comment, ça? Vas-y. Ça fait que 20 points de dégâts, mais bon. Ça va le tuer, c'est sûr. Surtout que c'est très efficace quand même, le sol, c'est... Très efficace contre le feu. On dirait lui a vomi dessus. Trop bizarre. Voilà. Bon. Encore un affrontement rondement mené. Donc, par contre, j'ai vu que là, il y a un passage là-haut. Qu'est-ce que c'est? Ah bah non. On va pas y aller, j'ai pas flash. Et bien les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Pokémon Diamant étincelant sur Nintendo Switch, j'espère que ça vous plaît toujours. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et à demain pour la suite. Salut!